Allez-y. Monsieur le Président Bodogari. Présent. Monsieur le Vice-président des Rameaux Caleb. Monsieur le Vice-président Amilcar Myriam. Monsieur le Premier secrétaire Jean-Willier Jean. Madame la Deuxième secrétaire Alexandre Gerda Benjamin. Monsieur le Questeur Bernard Annonce. Monsieur le Vice-Questeur Bonhomme Louis-Marie. Député Adrien Frist. Député Alcide Audenay. Député Alexandre Germain Fils. Député Alsace Hubert Dieu. Député Antoine Junior Alfredo. Député Antoine Junior Alfredo. Député Apollon Enel. Député Augustin Bertin. Député Bastien Jean Bertol. Député Bourget Louis Romel. Député Bourget Louis Romel. Député Beauville Jacques. Député Beauville Jacques. Député Bélizière Jean-Philippe. Député Bélizière Jean-Philippe. Député Benoît Jean-Guerrier. Député bien-aimé Arrodon. Député Borgela Jean-Wilfried. Député Bossé Jean-Robert. Député Cabessoni. Député Chancy Choiseur. Député Charles Hervé. Député Charles Jean Galvi. Député Charles Rodney. Député Chéri Edouanel. Député Chéri Fritz. Député Claire Jour Jean Chavenet. Député Constantin Peter Castin. Député Cyprien Price. Député Cyprien Price. Député Daniel Hermogène. Député De La Cruz Francisque. Député De La Cruz Francisque. Député d'Haïti Samuel. Député de Ville Roudzi. Député Déronette Deus. Député de Colline Abel. Député de Colline Abel.
Député Destiné Pierre-Jules. Député d'Orfeuille Gandhi. Député d'Orfeuille Gandhi. Député Dorismond Béonard. Député d'Orc Saint-Ville Donal. Député Dupra Yves. Député Étienne Jean. Député Étienne Ronald. Député Exantus Reynald. Député Exinor Hermano. Député Fanfan Philomé Hilaire. Député Florville Elisma. Député Florville Elisma. Député Forestal Jean-Marie. Député Garnier Vickerson. Député Geste Yvon. Député Guérard Guérchon. Député Guerrier Yves Arnaud. Député Guerrier Jackie. Député Guerville Wilner. Député Guillaume Claude Luc. Député Hippolyte Jean Wilson. Député Jacques Dulaurier. Député Jean Astel. Député Jean-Gabriel Lionel. Député Jean-Gabriel Lionel. Député Jean-Jude. Député Jean-Jude. Député Jean-Philippe Quetel. Député Joseph Fils. Voilà, Joseph Fils qui est rapproché sur la Député Julien Pierre Fekier. Député Jules Miss Jacques. Député Laguerre Joseph Benoît. Député La Tortue Jacob. Député Lotio Franck. Député Le Temps Daniel. Député Lochard Jean-René. Député
Député Loiseau Curolo. Député Louis Franzi. Député Louis Joseph Manès. Député Louis Jovenel. Député Luméran Jean-Marcel. Député Lundi Saint-Jean-Marie Gladys. Député Mathieu Vilma. Député Mathieu Vilma. Député Mathurin Smith. Député Morancy Freud. Député Mercredi Jean Bénissois. Député Milien Roger. Député Moïse Jean-Michel. Député Noël Saint-Baudelaire. Député Norzéus Patrick. Député Olivier Winchel. Député Austin Pierre-Louis. Député Papillon Rolf. Député Porvilus Philippe. Député Paul Lorméus Gérard. Député Périlus Roms. Député Petit Frère Eliès. Député Pierre Bélange. Député Pierre-Claude Leslie. Député Pierre Lemaire. Député Pierre Micaliam. Député Piton Fred. Député Premier Leman. Député Printemps Bélisère. Député Prophète Esaïe. Député Raphaël Salem. Député Rival Raymond. Député Robert Clovis. Député Rube Jacquelin. Député Saint-Fort-Denis. Député Saint-Louis-Michel Jacques. Député Saint-Jean-Gérard. Député Semierzier Joël. Député Sinal Bertrand. Député Smith Romial. Député Tanis Tertius.
Député Jerry Tardieu. Député Théramène Gérard. Député Toussaint Ronald. Député Toussaint Ronald. Député Véricain Joseph Antonio. Député Victor Profane. Député Ville-Paul Herman. Secrétaire sténographe, des comptes, s'il vous plaît. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 69 députés. Merci. Le quorum étant constaté, je déclare la séance ouverte. Et sur ce, nous demandons au député Alfredo Antoine, député Jean-Étienne, député Roumel Bourget, de prendre place, s'il vous plaît. Donc, sans tarder, nous allons demander au premier secrétaire de donner lecture de la proposition d'ordre du jour. Merci, premier secrétaire. Allez-y. Collègue Prétin, prenez place. Proposition d'ordre du jour de la séance de lundi 10. Proposition d'ordre du jour de la séance du lundi 10 septembre 2018. 1. Mot du président. 2. Lecture de la correspondance. 3. Présentation et discussion autour du rapport de la commission éducation nationale dans la commune de Chansol. 4. Présentation du rapport de la commission et vote du Sénat de la République sur le projet de loi sur l'assistance légale. 4.1. Vote des modifications. 4.2. Vote de l'ensemble. 5. Vote de l'ensemble sur la proposition de loi
portant rectification des actes et des registres d'état civil par voie administrative et judiciaire sans frais pour les demandeurs ou la demanderesse. 5.1. Vote de l'ensemble. 6. Présentation, discussion et vote du rapport de la Commission agriculture et sécurité alimentaire sur la proposition de loi modifiant l'arrêté du 20 février 2003 relatif à la création de l'Institut national du café en direction nationale du café et son renforcement. 8.1. Vote article de la dite proposition de loi. 8.2. Vote de l'ensemble. 7. Vote des objections du président de la République sur la proposition de loi relative à la promotion de la culture et à l'aide aux artistes. 9.1. Vote des objections. 8. Présentation, discussion et vote du rapport de la commission planification. Secrétaire général, s'il vous plaît, veuillez quand même me demander au secrétariat de distribuer l'ordre du jour et les différents documents et un rapport à la séance du jour. Merci. Présentation, discussion et vote du rapport de la commission planification et coopération externe sur le projet de loi portant organisation de l'administration d'État. Neuf, présentation, discussion et vote du rapport de la commission spéciale chargée d'octroyer des charges aux hauts fonctionnaires de l'État relatif à la gestion de certains anciens hauts fonctionnaires de l'État demandeurs de décharges. 11.1. Vote de la résolution. 10. Question d'intérêt général. Merci. Avant de mettre la proposition d'ordre du jour et au vote ou à l'appréciation de l'Assemblée en discussion, nous allons demander au secrétariat général de distribuer l'ordre du jour, s'il vous plaît, la proposition d'ordre du jour, avant de la mettre en débat. Merci. Si tous les honorables députés ont l'ordre du jour, nous pouvons la mettre en débat. Donc la proposition d'ordre du jour telle que lue par l'honorable député Jean-Willier Jean, premier secrétaire à la Chambre des députés, est mise en débat. Et la première intervention est accordée au député Forestal. Président, membres du bureau, collègues de l'Assemblée, vu l'importance et l'urgence que requiert le vote de ce projet de loi, président. Lequel ? Projet de loi lié sur l'assistance légale. Je demanderai au bureau, je vous proposerai de mettre au point 4, si vous voulez, et au point 3. Au point 3, de remplacer le point 3 par le point 4 sur l'assistance légale. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions au niveau de l'Assemblée, donc toute proposition mise en débat. La parole est accordée au député Myriam Amilcar. La démocratie représentative est difficile, mais de toute façon, il faut l'implémenter. Honorable président, membre du bureau,
collègues de l'Assemblée. Le président va permettre que je fasse une dérogation, vous me dise tout simplement, vous me portez à connaissance Assemblée A de un cas qui a passé actuellement au niveau de circonscription dans Saint-Michel de la Talaye. Et du coup, demander à bureau à séance tenante pour déléguer une commission sous Saint-Michel de la Talaye et sous problème. Au niveau de commune dans Saint-Michel, gagnent trois individus que la police a arrêté et arrivé dans le commissariat. Policiers ont tellement battu citoyens à eux et ils ont mouru en dedans commissariat. Et la police transporté moi au niveau de pas morgue, mais dans l'hôpital dans la ville et ils ont lagué moi à terre et ils ont viré. Et dans la minute de parler là, population en ébullition et la police a fait usage de gaz lacrymogène pour calmer tension et gagner un citoyen de la ville qui recevait cartouche. Donc, gaz a brûlé, si moun l'école a couru. Donc, nous croyons que tant pour commissariat retourner dans la torture, à lieu de torture, là, nous pensons que tant ça a révolu. C'est pour ça que le président a demandé une séance tenante pour être capable de déléguer. Il y a une commission sous Saint-Michel de la Dalaï dès demain pour être capable d'enquérir de la situation et faire lumière pour permettre que Jean de Cassayo ne continue à répéter au niveau de et PIA, pourquoi pas Saint-Michel de la Dalaï en particulier. Merci, président. Merci, collègues. Le nécessaire sera fait et la commission justice sécurité publique est saisi d'office. Donc sur ce, les députés qui sont pour la proposition d'ordre du jour avec les modifications apportées par l'Assemblée sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour la proposition d'ordre du jour modifiée. Merci. À l'unanimité, adopté. Merci. Merci, Premier secrétaire, de donner lecture du point 3 de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Présentation présentation du rapport de la commission et vote des modifications du Sénat de la République sur le projet de loi et l'assistance légale. Merci, honorable Premier secrétaire. Donc, et sans plus tarder, nous demandons à la commission justice de siéger, s'il vous plaît. Merci, le bureau de la commission, les honorables députés, le temps, Daniel, Jacob Latortue des Gonaïves, député forestal de Bordeaux-Paix, Manès lui, si vous êtes dans la salle, honorable. Donc, prenez place, s'il vous plaît. Donc. Merci. En attendant, nous demandons au secrétariat général de distribuer le rapport de la commission justice et sécurité publique se rapportant au projet de loi sur l'assistance légale. Donc,
j'invite le secrétaire rapporteur de la commission à gravir la tribune en vue de nous présenter son rapport. Merci. Rapport en deuxième lecture de la commission justice et sécurité autour des amendements apportés par l'Assemblée des sénateurs sur le projet de loi sur l'assistance légale. Monsieur le Président, membres du bureau, collègues de l'Assemblée, parmi les principes républicains que prône l'état de droit figure l'égalité des citoyens au libre accès à la justice sans discrimination aucune. Ce souci majeur constitue le fil conducteur conduisant à une pléthore d'initiatives législatives, notamment au niveau du droit international et des droits de l'homme. Ces instruments internationaux, initiés par la majorité, pour la majorité par l'Organisation des droits humains des Nations Unies ou des organismes de droit régional, dont l'État, dont Haïti, est souvent partie, constituent des garanties de protection des droits civils et politiques. Cependant, en raison des obstacles économiques et financiers, les personnes économiquement vulnérables sont souvent les principales victimes d'un système de droit dont la procédure exige des moyens exorbitants. Ainsi, l'État, comme garant des droits civils et politiques des citoyens, doit s'efforcer de réduire les inégalités et d'agir pour le respect de tout chacun, même de ceux qui auraient violé les normes établies. C'est dans ce contexte que l'exécutif haïtien a initié le projet de loi sur l'assistance légale qui se veut un outil de protection des droits individuels. À l'article 20, le point 6 est supprimé et l'alinéa suivant remplacer le secrétariat général par secrétariat exécutif. À l'article 27, le groupe de mots sur avis favorable d'un tiers des membres du conseil d'administration est remplacé sur avis favorable d'au moins 3 membres du conseil d'administration. À l'article 30, remplacer insuffisance professionnelle par incompétence manifeste dans l'exercice de ses fonctions. Monsieur le Président, membre du bureau, collègues de l'Assemblée, l'accessibilité à la justice pour tous devient une obligation incontournable, indépendamment des conditions d'égalité ou du degré de fortune des citoyens. C'est de cette perspective qu'après des heures de travail assidu sur le projet de loi sur l'assistance légale, déjà voté en première lecture à la Chambre des députés, puis au Sénat de la République, nous avons jugé que les remarques ne nuisent ni à la structure réelle, ni à l'esprit du projet de loi, puisqu'elles sont en grande partie d'ordre terminologique. À cette fin, les membres de la Commission justice et sécurité publique de la Chambre des députés recommandent à l'Assemblée de voter dans les mêmes termes les modifications apportées par le Sénat de la République. Sur la signature, député Daniel Letang, député Jean-Marie Florestal, président, député Daniel Letang, vice-président, député Jacob Labertu, secrétaire rapporteur. Demandez-nous quand même de prendre acte, collègue. Merci. Je demande au président de acte de la lecture du rapport de la commission. Merci, collègue. Et la tortue des Gonaïves, acte vous est accordé. Et sur ce, nous mettons le rapport de la commission justice et sécurité publique autour des amendements apportés par l'Assemblée des sénateurs au projet de loi sur l'assistance légale.
Il y a une intervention qui est accordée au député Jean-Aubert Bossé. Merci, Monsieur le Président. Membres du bureau, collègues de l'Assemblée, collègues commissaires, Monsieur le Président de la Commission, en tant qu'avocat, Monsieur le Président de la Commission, vraiment, dis-nous, est-ce qu'il y a, il y a lieu de dire que nous allons voter loi ça dans les mêmes termes, alors que pour moi-même, gagner des modifications apparemment légères, mais qui majeures en termes pour loi. Par exemple, si je prends, si je n'en page, malheureusement, c'est pas paginé, mais la dernière page, l'avant-dernière page, au point 2, le concept assistant judiciaire ou juridique adopté par la Chambre des députés en première lecture est remplacé par assistance légale. Est-ce que nous sommes capables de dire là, il n'y a pas gain de modification majeure? Et c'est le cas pour plusieurs autres termes, expressions qui corrigées ou remplacées par d'autres. Est-ce qu'il y a lieu de dire que ce n'est pas des modifications majeures qu'on doit voter dans les mêmes termes que le Sénat de la République? Merci, Monsieur le Président. Merci. Place au commissaire pour des réactions, si vous en avez. Alors, merci, Monsieur le Président. Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, il faut dire effectivement la préoccupation du collègue Bossé quant à la dénomination assistance judiciaire qui a été remplacée par assistance légale. Cette préoccupation a été déjà fait tache d'huile ici au bureau de la Chambre des députés. Et nous avons ensemble résolu de changer l'assistance légale à l'assistance judiciaire. Mais après une journée de travail avec la commission justice au Sénat de la République et beaucoup des membres de la commission y étaient, eh bien nous sommes entendus là-dessus pour avoir une nouvelle compréhension de la question et admettre assistance légale est préséance sur l'assistance judiciaire, confrère. Ça, c'était un travail d'ensemble entre la commission à la Chambre des députés et celle au Sénat de la République. Donc, c'est pourquoi nous avons formulé, nous avons recommandé donc à l'Assemblée des députés de voter dans le même thème. Merci, collègue Forestal. Et ceci, je rappelle aux honorables députés que... Président, je pourrais ajouter quelque chose aussi. Allez-y. Président, je tiens à faire remarquer à l'honorable collègue Bossé que l'expression même d'assistance judiciaire constitue une impropriété du terme. Le terme qu'il faut employer, c'est l'assistance légale. Merci, collègue Nozéus Desbaradères. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur les membres du bureau, honorables collègues. Alors, assistance judiciaire et assistance légale, en réalité, ce n'est pas deux concepts qui sont trop éloignés, mais il y a des nuances. En général, quand on parle d'assistance légale, c'est là que vous avez un professionnel du droit qui assiste au client, assiste au monde, non, ça dit non. Procédure, c'est-à-dire dans l'acte de procédure, aider les gens, puisqu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais qu'on est dans pile monde qui bat contre la loi, donc professionnellement permettre
complications qui gagnent généralement dans l'application procédurale, ou qu'on professionnel du droit qui est capable d'interpréter la loi lui-même et qui est parti dans la loi qui a appliqué à tel cas d'espèce. Donc, il y a une assistance légale. En général, il y a une assistance juridique, tout. Mais quand on parle de légal, comme on a fait référence surtout avec loi, assistance juridique, on dit jamais assistance légale et juridique, tu as même bagaille. Assistance judiciaire, on aller un peu beaucoup plus loin. Si que on parle de professionnel du droit qui a appuyé les profanes, les clients, et accompagné dans la procédure. Vous avez 30 secondes pour terminer. Oui, président. Je n'ai pas d'explication technique. Vous vous dérangez, vous faites perdre l'idée. Non, il n'y a pas qu'à faire comme ça. Non, il n'y a pas qu'à faire comme ça. Collègue Noisé, vous allez. Mais assistant judiciaire, là, aussi, j'en beaucoup plus large. C'est vrai, il peut permettre client d'avoir accès à professionnel du droit. Assistant judiciaire, là, les mêmes liwots, si j'en côté financier. Ça veut dire que son monde qui financièrement, qui ne doit pas en mesure de se payer un avocat, de se payer les services de professionnel du droit, et que société en mette des mécanismes, les mette des moyens, justement pour le bail, moun ça accès à professionnel du droit. Ça veut dire que en réalité, on a mis presque même bagaille, oui. Mais assistant judiciaire, là, au Tijan, ce n'est pas relation professionnelle droit et client, mais c'est relation société, c'est-à-dire l'État, qui mettait des moyens à l'homme pour que l'homme ait accédé à un service d'avocat, service social du droit. Merci pour la précision, ça seulement me débat. Merci. Et sur ce, je rappelle aux honorables députés que ce projet de loi avait déjà été voté ici à la Chambre des députés. Donc, si toutes les recommandations ou les modifications de la commission justice et sécurité publique sont respectées, donc nous allons pouvoir avancer rapidement et conformément aux dispositions constitutionnelles. Donc, le rapport est mis au vote. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Le rapport de la commission de justice et sécurité publique tel que lu et présenté par l'honorable député des Gonaïves est mis au vote. Donc, le rapport est mis au vote. Le rapport est mis au vote. Qui sont-ils? Merci. Merci de baisser vos mains, honorable. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Merci, premier secrétaire. Deuxième, bienvenue. Premier secrétaire, décompte. 67 pour, 0 abstention, 0 contre, 4 abstentions. Merci. Le rapport de la commission justice et sécurité publique relatif au projet de loi sur l'assistance légale est adopté. Merci de donner lecture des visas et considérants, s'il vous plaît. Et je... Ah, c'est seulement les modifications qui ont été mises au vote. Donc, merci. Merci, collègues, de votre compréhension. Et je rappelle que ce projet de loi va améliorer, en quelque sorte, la problématique de la détention préventive prolongée dans les prisons. Donc, c'est un texte important qui avait été entériné par l'Assemblée des députés. Talé Adzi n'a pas fait rien. Merci. Prochain point. Liste des modifications apportées au projet de loi sur l'assistance légale, vote au cours de la séance du 7 août 2018. 1. Le premier titre du projet de loi est maintenu. Projet de loi sur l'assistance légale. Les concepts assistance judiciaire ou juridique est remplacée par assistance légale.
les abréviations CNAJ et BAJ sont devenues CNAL. Les modifications qui sont en train d'être lues. Merci. BAL, ces modifications s'étendent sur tous les textes. 3. À l'article 6, remplacer aide juridique par assistance juridique, compte tenu des composantes de l'assistance légale qui sont l'assistance juridique et l'assistance judiciaire. 4. Aux articles 8, 9, 10 et 11, remplacer les mots aide par assistance. 5. Le sous-chapitre 2 est modifié pour tenir compte de la spécificité d'assistance judiciaire. 6. À l'article 20, le 6 est supprimé et secrétaire général est remplacé par secrétaire exécutif. 7. À l'article 27, les groupes de mots sur avis favorable d'un tiers des membres du conseil d'administration est remplacé par sur avis favorable d'au moins 3 membres du conseil d'administration. 8. À l'article 30, remplacer insuffisance professionnelle par incompétence manifeste dans l'exercice de ses fonctions. 9. À l'article 36, compte tenu de la taille est remplacé par en fonction de la taille. 10. Aux articles 66 et 67, supprimer le mot professionnel après le mot corporation. 11. À l'article 79, supprimer le groupe de mots qui n'est pas autorisé par la loi et ajouter à la fin de l'article les mots non autorisés par la loi. Merci. Donc, l'ensemble des modifications telles que lues par l'honorable député qui, quand même, avait été préalablement adopté dans le rapport. Donc, mis en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. Le texte est adopté. Ça va être transmis au président de la République au fin de publication. Prochain point, s'il vous plaît. Point 4, présentation et discussion autour du rapport de la commission éducation nationale dans la commune des Chansol. La commission n'est pas prête, je crois. Prochain point. Merci. 5. Vote de l'ensemble sur la proposition de loi portant rectification des actes et des registres d'état civil par voie administrative et judiciaire sans frais pour les demandeurs ou la demanderesse. Rappelle que cette proposition de loi avait déjà été. C'est une proposition de loi qui avait été présentée par l'honorable député Peter Constantin. Donc, le rapport avait déjà été voté par l'Assemblée. Maintenant, nous sommes dans le vote de l'ensemble. Donc, le texte avait déjà été voté article par article, conformément à la Constitution. Maintenant, nous sommes dans le vote de l'ensemble. Merci de distribuer le texte, s'il vous plaît. En attendant, nous demandons à la commission de siéger à nouveau. C'est encore la commission justice et sécurité publique. Merci. Secrétariat général, là, s'il vous plaît, distribuez le texte là, nous avons voté, la loi nous avons voté. Distribuez-le, nous, s'il vous plaît. Proposition de loi, député Constantin. Nous avons voté de l'ensemble, donc distribuez le texte là, nous.